Oh,
J'ai de voir pour qu'un Dieu qui puisse se mesurer à toi, qui puisse avoir un nom égal à toi, qui puisse agir puissamment comme toi. Il y a point de Dieu, Père éternel, d'autre que nous puissions élever, adorer. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons ce soir. Acclamer pour notre Seigneur. Que son nom soit élevé et glorifié. Amen. Amen. Nous arrivons à notre moment de la parole.
On va juste, pendant que notre frère Aristide va s'avancer vers nous, nous allons acclamer le Seigneur et je vais vous inviter à élever votre voix. On va prier pour cet instant, on va prier pour la parole qui va nous être partagée ainsi que pour l'instrument que le Seigneur a choisi aujourd'hui. Prie avec moi mes frères et sœurs. Père éternel, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre entre tes mains, Seigneur, ce moment, Seigneur, de la parole, Seigneur. Qui est dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel et tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Car nous prions que Dieu, pour cette parole que tu as mandatée, pour laquelle tu as mandaté ton serviteur, nous voulons que Dieu écoute ta voix, que tu parles au travers de lui, que tu les remplisses d'une onction spéciale et particulière, qu'il parle comme jamais il n'a parlé, et que l'onction de l'Esprit l'accompagne, que sa bouche, notre Dieu, que sa bouche coule la parole de Dieu et l'inspiration divine. Et que cela puisse bénir le peuple que nous sommes. Père, merci. Car nous allons être bénis, notre Dieu, pendant ces moments. Car toi, tu es le Dieu qui parle à ton peuple. Parle-nous, notre Dieu, nous t'écoutons. Parce que tu as certainement quelque chose à nous transmettre. Que la gloire te revienne. C'est toujours un privilège de me tenir devant ici parce que je ne viens pas à mon propre nom. Je viens de la part de celui qui m'appelle son messager. Vous savez, le facteur, il n'a qu'une mission, c'est aller mettre dans la boîte aux lettres ce qu'il a reçu comme courrier. Et je vais essayer d'être un bon facteur ce soir pour toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu bénisse sa parole. On a déjà prié pour la parole. Et dans cette église, je crois que par saison, nous avons une hymne nationale particulière. Par saison. Notre ancien hymne national, c'était quoi? C'était que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que vous avez senti que la saison elle a changé? C'est la saison de Shiloh. Alléluia. Ce sont des moments où, quand tu n'as pas de mots, quand tu ne veux pas répéter par exemple aïe, parce que pour toi ça ne te parle pas, tu peux mettre les mots que tu veux. Tu peux crier Saint-Esprit, tu peux crier Jésus, tu peux crier Paracletos, tout ce que tu veux, mais qu'un son authentique, une adoration authentique sorte de ton cœur pour Dieu. Je vais vous étonner en vous disant que je voulais demander à la chorale de chanter ça. Mais gloire à Dieu, on est mené par, guidé par le même esprit. Alléluia. Amen. Ce soir, je ne comptais pas beaucoup parler et le temps aussi m'aide beaucoup. On va commencer un enseignement aujourd'hui qu'on va terminer dimanche. Et Dieu veut encourager quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Les prédicateurs ou les enseignants ou ceux qui viennent partager la parole de Dieu, on est un peu comme des antennes paraboliques. Je savais que je devais intervenir aujourd'hui et dimanche. Dans sa grâce, je recevais plein de choses, plein de paroles de la part de Dieu. Mais j'avais la précision que c'était pour le dimanche. Mais dans mon âme, je me disais, Dieu a oublié que je devais aussi intervenir aujourd'hui. Pourquoi il me parle des choses de là-bas alors que moi je dois parler encore aujourd'hui? Alléluia.
Amen. Et ce n'est qu'avant-hier que Dieu a commencé par me communiquer les choses que je dois véhiculer ce soir. Je sais, mon frère, ma soeur, que tu seras là ce soir. Je disais que les prédicateurs sont comme un peu des antennes paraboliques. Dieu sachant qui vient, il va te donner précisément ce de quoi son peuple a besoin, parce que cette personne devait entendre ces paroles-là. Donc rassure-toi mon frère, ma soeur, que tu es à la bonne place au bon moment. C'est un jour férié, mais tu as quand même pris la peine de venir ici en ce lieu. Dieu s'en souviendra. Mes frères, mes soeurs, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la plus grande église du monde? Est-ce que vous avez des idées? Il a répondu, c'est l'homme. Tu as dit quoi? Elle a dit, c'est en Asie. C'est l'église du pasteur Yonggi Cho. Humainement, la plus grande église du monde. On dira que c'est en Asie. C'est l'église du pasteur Yonggi Cho. Pasteur Yonggi Cho, ça va être en Asie. Il y a des milliers de personnes dans cette église. Mais j'ai entendu un homme dire, et je confirme, pour moi c'est vrai ces paroles, que ce n'est pas la plus grande église du monde. La plus grande église du monde. Ils sont à la maison. Ce sont ceux-là qui ont pris la décision de ne plus venir à l'église. Ceux-là qui ont déjà écouté la parole de Dieu, les touchés, qui sont retournés dans le monde. Ils sont encore plus nombreux que ceux qui sont à l'église. Alléluia. Donc la plus grande église du monde, ce sont ceux qui ont arrêté de mener le bon combat de la foi. Satan, c'est l'ennemi de notre âme. Et le but de Satan, c'est quoi? C'est que nous perdons la foi. En soi, ce n'est pas que nous soyons pauvres. Ce n'est pas nécessairement que nos enfants tombent malades. Ce n'est pas qu'on n'ait pas un mariage heureux. Mais c'est que nous perdions la foi. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu parce que dans cette église, nous savons que à qui d'autre irions-nous? Si ce n'est pas à Jésus, mon frère, ma soeur, à qui d'autre irions-nous? Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie éternelle. Il est la vie éternelle et il donne la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous, mon frère, ma soeur? J'ai remarqué ces derniers temps, j'ai eu à prêcher dessus. Le pasteur Désiré aussi est revenu dessus. Maman Judel aussi. Il y a eu un partage qui s'est fait le jeudi passé sur le même passage. Donc il y a eu près de 4 interventions sur le même passage. Et je réfléchissais à ces choses. Je demandais à Dieu, pourquoi dans cette saison tu nous parles beaucoup avec ce passage? C'est le passage Tant que sa parole est gravée dans notre cœur, dans notre âme, Dieu continuera de nous parler comme il veut avec les mêmes passages. Le thème que nous allons partager ce soir et que nous allons continuer dimanche, c'est
écoute, comprends et regarde ce que je vais faire dans ta vie. நம்ம இன்னிக்கும் வர ஞாயிற்றுக்கிழமையும் என்ன குறித்து பேச போறோம்னா கேளு புரிஞ்சிரு உன் வாழ்க்கையில நான் என்ன செய்ய போறேன்ற பாரு. Alléluia. Amen. Moi, mon job ce soir et dimanche, c'est de parler. என்னோட வேலை இந்த ராத்திரி வந்து பேசுறது. Toi, ton job ce soir et dimanche, c'est d'écouter et de comprendre. உங்களோட வேலை வந்து இன்னிக்கும் வர ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கேட்கறது அதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது. Écoute. Comprends et regarde ce que je vais faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter et à comprendre? Nous n'avons pas fini le message ce soir. Et c'est une introduction. Il faut que tu sois bien connecté pour comprendre le rapport entre ce soir et dimanche. Mais on n'est guidé pas le même esprit. Alléluia. Nous allons faire vite avec le temps qui nous reste. Nous allons aller dans le passage de Genèse. Genèse 26, le verset 1 à 6. ஆதியாகமம் 26 அதிகாரம் 1 ல இருந்து 6 வசனம் வரைக்கும். Je vais me servir pour cet enseignement de tout Genèse 26. Ce sera important que nous le lisons à la maison, que nous le lisons pour la prochaine fois. Nous n'allons pas tout lire ce soir. நம்ம ஆதியாகமம் 26 அதிகாரத்தை வந்து வீட்டில் ஃபுல்லாக படித்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த அதிகாரத்தை குறித்து தான் பேச போகிறோம். Et nous allons dégager les enseignements que le Seigneur veut que nous comprenions. அதே போல தேவன் என்ன அந்த காரியங்கள் சொல்கிறாரோ அதை குறித்து பேசுவோம். Genèse 26, du verset 1 au verset 6 d'abord, je lis la parole de Dieu. ஆதியாகமம் 26, 1-6 வரைக்கும். Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Alléluia, on s'arrête là d'abord. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire commence en nous disant, ça commence en nous disant qu'il y avait une famine dans le pays. அந்த பட்டணத்தில் வந்து ஒரு பஞ்சம் இருந்துச்சுன்னு தொடங்குறாங்க. Quand on parle de famine, on parle de temps difficile, temps compliqué. நம்ம பஞ்சத்தை குறித்து பேசும்போது கஷ்டமான நேரத்தை குறித்து பேசுவோம். On parle de sécheresse. எல்லாமே காஞ்சி போயிருக்குன்னு சொல்லுவோம். Et dans ce temps-là, அந்த நேரத்தில் வந்து c'est normal quand tu travailles une sécheresse, un temps compliqué, de chercher des solutions pour que tout aille dans ta vie. அந்த நேரத்தில் எல்லாமே காஞ்சி போயிருக்கும்போது நீங்க வந்து சில தீர்வுகள் உங்க பிரச்சனைகளுக்கு தேடுறது வந்து ஒரு சாதாரண காரணம். Personne ne veut rester à un endroit où plus rien ne marche ou plus rien ne fleurit. ஏன்னா யாராலையும் வந்து ஒண்ணுமே நடக்காத இடத்துல வந்து நிக்க முடியாது. Donc c'est la période dans laquelle Isaac était en ce moment à cette époque. அந்த நேரத்துல வந்து ஈசாக் வந்து அந்த மாதிரி நேரத்துல நின்னாரு. Et c'est en ce moment que Isaac, la Bible nous dit, Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar, et l'Éternel lui apparut en lui disant, ne va pas en Égypte dans le pays, mais demeure dans le pays que je te dirai. அந்த வசனம் ஏதிகிட்டு ஈசாக் வந்து அபிமெலேக் கிட்ட போகிறாருன்னு அங்கே தேவன் சொல்றாரு நீ அந்த தேசத்துக்கு போகாத நான் சொல்ற இடத்துக்கு நீ போனு. Pendant cette période, l'Égypte était très riche et tout marchait bien en Égypte. அந்த நேரத்துல வந்து எகிப்து தேசத்துல வந்து ரொம்ப பணக்காரமா இருந்தாங்க. அங்க எல்லாமே ஒழுங்காக நடந்துச்சு. La tentation pour Isaac d'aller en Égypte était très forte parce que il voulait changer sa condition de sécheresse. அங்க போற இடம் வந்து நல்லா வாய்ப்போட இருந்துச்சு. Mais Dieu lui a paru lui dire, ne bouge pas, tu restes là. ஆனா தேவன் வந்து சொல்றாரு நீ அங்க போகாத நீ இங்கே இரு. Mais Dieu en venant lui donne des promesses, lui dire, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. ஆனா தேவன் வந்து சொல்றாரு அவர்கிட்ட பேசுறாரு நீ கவலைப்படாத நான் உன்னோட இருப்பேன் இந்த எல்லா காரியமும் உங்களுக்காக கொடுப்பேன். C'est souvent difficile pour nous, mes frères et sœurs, d'entendre ce genre de paroles quand on traverse des périodes compliquées, quand on traverse des déserts.
நம்ம சில நேரம் கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் போது இல்லை வனாந்திரம் சில போகும் போது இந்த மாதிரி காரணத்தை கேட்கறது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். J'aime bien donner l'exemple de l'Ukraine et de la Russie parce qu'actuellement ça chauffe là-bas. ஆனா உக்ரைன் ருசியா உதாரணம் கொடுத்தா Tu te trouves là-bas. நீங்க அந்த இடத்துல இருந்தா Et tu as la nationalité d'un autre pays. அதே வேற தேசத்துல உங்களோட நேஷனாலிட்டி இருக்கு. Le réflexe de tout humain voudrait que tu quittes là et que tu rejoignes ton pays parce qu'actuellement ça ne sent pas bon là-bas. Mais imagine Dieu se révèle à toi, il te dit, reste dans ce pays, je te bénirai. Alléluia. Cette parole, comment on la reçoit en tant que chrétien? Est-ce qu'on se dit, c'est vraiment Dieu qui me demande de rester là? நம்ம வந்து நினைப்போம் உண்மையாக தேவன் தான் அதை கேட்கிறாரா Alléluia. En tant que chrétien, il faut qu'on comprenne que obéir à l'ordre de Dieu, ça nous coûte toujours et ça nous coûtera toujours. கிறிஸ்துவரே நம்ம ஒரு காரணத்தை புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம எப்போ தேவனுக்கு வந்து கீழ்ப்படுகிறோமோ அது என்னைக்கும் வந்து ஒரு காரியம் இருக்கும். Oublions cet évangile bonbon où on nous dit viens à Jésus, tu auras un mari, viens à Jésus, tu n'auras plus jamais à porter des sandales trouées. Alléluia. நிறைய பேருங்க வந்து சொல்லுவாங்க நீ இயேசு கிட்ட வா உனக்கு ஒரு கனவர் கிடைப்பாங்க இல்ல இயேசு கிட்ட வா உன் செருப்புல இனிமே பொத்துலே இருக்காதுன்னு யாராவது வந்து உங்களை இப்படி கூப்பிட்டு இருப்பாங்களா Je sais que mon pasteur Désiré on l'a attiré comme ça à Jésus parce qu'il a déjà dit ici எனக்கு தெரியும் பாஸ்டர் Désiré வந்து இப்படி தான் அவர் அழிச்சாங்க ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு ils les ont complètement déplumés ஆனா யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி காரணம் சொல்லி உங்களை கூப்பிட்டாங்களோ அவங்களே வந்து ஒன்றும் இல்லாத இருப்பாங்க Ne nous mentons pas, chers frères et sœurs. ஏன்னா நம்ம நம்பிக்கிட்டே போய் சொல்லக்கூடாது. Ce n'est pas une vie tranquille. Et தேவன் கூட வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து சாதாரண வாழ்க்கை இல்ல. Coûtera toujours. ஏன்னா நம்ம தேவனோட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக விளைவுகள் இருக்கும். Alléluia. Amen. Quand nous faisons un peu attention à la vie de Isaac, நம்ம ஈசாக்கோட வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது, il y a quelque chose qui moi m'a frappé, c'est que ஒரு காரியம் வந்து என்ன தொட்டுச்சு. A bizarrement presque la même vie que son papa. Isaac வந்து அவரோட தகப்பன் வாழ்க்கை போலயே கொஞ்சம் வித்தியாசம் இல்லாத இருக்கு. Quand on parle dans la Bible de quitte ton pays, quitte ta nation et va dans le pays où je t'indiquerai, à qui on pense tout de suite? நம்ம வசனல வந்து உன்னோட தேசத்தை விட்டு போ, நான் சொல்ற இடத்துக்கு போனு சொல்லும்போது நம்ம உடனே யாரை குறிச்சு நினைக்கிறோம்? On pense à Abraham. ஆபிரகாம குறிச்சு தான நினைப்பு வருது. La même chose a été répétée à Isaac. ஈசாக்கு வந்து நடந்துச்சு. Quand on prend Abraham, quel a été son problème, son vrai dilemme au cours de sa vie quand Dieu voulait le bénir? Il a dû attendre 25 ans. 25 ans pour voir de ses yeux la promesse que Dieu lui a faite. Parce que sa femme était stérile. Si vous remontez un peu dans Genèse 25, et vous cherchez un peu, vous allez constater que la femme de Isaac aussi était stérile. Et il a dû invoquer Dieu பிறக்க முடியாத இருந்தாங்க. அவர் வந்து தேவன் கிட்ட வந்து ஜெபிச்சாரு அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கணும்னுக்காக. Vous voyez que Isaac et son papa, franchement, ils avaient des problèmes. On ne l'a pas compris. Isaac quand on l'a pas compris, c'est le prochain engueulé de Dieu. Mais on a quand j'ai arrêté pour nous. Au coup, quand Dieu lui a dit quitte ton pays et Isaac s'est mis en, et Abraham s'est mis en mouvement. தேவன் வந்து உன்னோட தேசத்தை விட்டு போன்னு சொல்லும் போது ஆபிரகாம் வந்து அது உடனே செய்ய முடியாது எந்த இடத்துல அவர் வந்தாரோ il a dit aux gens qui étaient அவர் ஜனங்கள் கிட்ட வந்து சொன்னாரு சாரா était qui pour lui சாராயினால வந்து Et Sarah était sa sœur. Sarah வந்து யாருன்னு சொன்னாரு அவரோட சகோதரின்னு சொன்னாரு On est d'accord? Est-ce vu qu'on est dans Genèse 26? நம்ம ஆதியாகமம் 26ல இருக்கோம். On va beaucoup rester là donc je vous prie de ne pas fermer vos bibles. நம்ம இந்த வசனத்துக்குள்ள தான் பார்த்து நிப்போம் ஆனாலும் உங்களோட வசனத்தை மூடிறாதீங்க. Genèse 26 je suis au நம்ம ஆதியாகமம் 26 7வது வசனம். Verset 7, je lis la parole de Dieu. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur. Car ils craignaient en disant que c'est ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Verset 9, Abimélec fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimélec dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alléluia. Amen. Voilà un autre point commun que Isaac avait avec son papa.
il va dans une contrée, il y a un roi. அதே போல ஈசாக்கும் அவரோட தகப்பன் மேல் நடந்தாரு அவரோட இடத்துக்கு போறாரு அங்க ஒரு ராஜா இருந்தாரு Il a peur de présenter sa femme en tant que sa femme. C'est pas comme nous les jeunes d'aujourd'hui, tu vas quelque part, tu es pressé de dire que celle-là c'est ta petite, c'est ta femme. Eux, ils craignaient même de présenter leur femme de peur qu'on ne les tue parce que leur femme était belle. Isaac a fait les mêmes choses que son papa. Et c'est dans cette contrée où, craignant pour sa vie, craignant qu'on ne le tue, que Dieu lui a dit de rester. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre notre lecture. Je suis au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux du menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplis de poussière. Et Abimelech, c'est le roi, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes de Isaac ont Isaac commencé là. Déjà, j'aimerais nous faire remarquer qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que parent, le plus bel héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est quoi? C'est être fidèle à Dieu. C'est le plus beau héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Est-ce que Isaac était un homme parfait? Mais parce que Dieu avait fait une alliance avec son père. Si on regarde dans le verset 4, c'est Dieu qui parle. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc parce que ton papa il a fait ça, moi je m'engage à te bénir. Et la parole nous dit que Dieu l'a rendu riche. Nous devons être fidèles à Dieu. Parce que les bénédictions vont suivre. Si vous jetez encore un coup d'œil dans le verset 24, Dieu revient parler à Isaac. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il lui rappelle qu'il est le Dieu de son père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. Amen. Parfois, en tant que chrétiens, nous lapidons nous-mêmes. Parce que peut-être nous avons péché. Parce que nous ne sentons pas à la hauteur. On se culpabilise, on se dit Dieu ne va pas me bénir. Ou Dieu ne peut pas me bénir parce que je ne le mérite pas. Dieu ne regarde pas à ce que nous avons fait.
Dieu ne regarde pas ce que nous méritons. Mais il regarde pas la fidélité de ses serviteurs. Il regarde l'alliance qu'il a conclue avec ses serviteurs. Parfois, tu peux avoir un sujet de prière, tu peux être en train de prier. Tu soupires à être rempli du Saint-Esprit, avoir les dons du Saint-Esprit. Et regarde ce que je vais faire dans ta vie. Nous allons maintenant commencer par parler un peu des problèmes de Isaac. C'est un culte d'enseignement, donc ne soyez pas saoulés d'aller toujours dans la parole. Alléluia. Je suis toujours dans Genèse 26. Là, je suis au verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplissaient de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. 20. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous a fait prospérer dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que Abraham régnait, merci mon frère, alléluia. Pendant du vivant de Abraham, faut comprendre qu'à cette époque, ils avaient beaucoup de troupeaux, c'est ça qui faisait leur richesse. Donc quand on parle de période de sécheresse, on parle de période de famine, c'est dangereux pour quelqu'un qui élève des troupeaux parce que si les troupeaux ne trouvent pas à boire, tout le troupeau va mourir. Et si ton troupeau ne trouve pas à manger, ne trouve pas à boire, ben tu vas perdre ton troupeau et devenir pauvre. Le début de ce passage que nous méditons, c'est le chapitre 26, nous dit qu'il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine et il y avait une sécheresse, ce qui faisait que le troupeau était en danger. Donc quelqu'un qui réussissait à trouver un peu d'eau pour son troupeau, il était béni. Et du vivant de Abraham, Abraham avait creusé beaucoup de puits. Abraham avait creusé beaucoup de puits pour que son troupeau puisse s'abreuver et pour que lui-même et ses serviteurs puissent en jouir. Mais dès que Abraham a perdu la vie,
il y a le roi des Philistins, Abimélec, qui a fermé tous les puits que Abraham avait creusé de son vivant. அந்த ராஜா வந்து அபிமேலேக் வந்து உடனே அந்த கிணறு எல்லாம் வந்து புடைச்சு சார் அதுல மண்ணு போட்டுட்டாரு. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller un peu dans l'histoire d'Abraham et comprendre ce que je dis par rapport au puits? அந்த போகலாமா? அந்த கிணறு குறித்து நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியணும்ன்றதுக்காக. Je suis dans Genèse 20. நான் ஆதியாகமம் 20ல இருக்கேன். Je suis dans Genèse 20. Donnez-moi quelques instants. Ok, pas Genèse 20. Genèse 21. Le verset 22. On lit du verset 22. En ce moment, Abraham était encore vivant et le même roi, Abimélec, qui a chassé Isaac, était toujours sur le trône. Il était sur le trône du temps d'Abraham. Je lis à partir du verset 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimélec le roi au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi je l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis, des bœufs qu'il donna à Abimélec et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part cette jeune brebis et Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis? Et il répondit, tu accepteras de ma main cette brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Alléluia. On s'arrête là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Du temps d'Abraham, il y avait Abimélec le roi qui était déjà sur le trône. Et à cause de sa richesse, pour perdre son troupeau, Abraham creusait régulièrement des puits. Et les serviteurs d'Abimélec avaient pour habitude d'aller fermer les puits que Abraham creusait. Tellement Abraham devenait puissant, avait des serviteurs, avait des terres, avait de la richesse, le roi craignait que Abraham ne le renverse. Et le roi est venu lui proposer une alliance afin qu'il ne touche ni lui ni sa descendance. Et quand le roi est venu le voir, Abraham l'a repris par rapport à ses puits que ses serviteurs fermaient. Et Abimélec dit qu'il n'était au courant de rien, que ce n'est pas lui qui a ordonné à ses serviteurs de fermer les puits qu'il avait creusés. Abimélec dit qu'il n'était après ces événements, ils ont fait une alliance en quelque sorte pour dire, je reconnais que ces puits-là, ça t'appartient à toi. C'est les mêmes puits que les serviteurs d'Abimélec ont fermés. Ils ont tout fermé, ils ont chassé Isaac du pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre toujours Genèse 26? Je reviens dans à Isaac. Le verset 26. Je lis la parole de Dieu du 26 jusqu'au 33. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Arusat, son ami, et Picol. Vous vous rappelez son nom tout à l'heure. Picol, c'était toujours le chef de l'armée quand Abraham était sur le trône. Donc Abimélec est encore venu avec les mêmes personnes voir Isaac le fils.
அதே ஆளுங்களோட தான் அந்த ராஜா மறுபடியும் வந்து ஈசாக்கை பார்க்கறாரு. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et burent. Ils se levaient de bon matin et se liaient l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissait partir et ils quittaient en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler d'un puits qu'il creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais dans mon introduction que si on remarque et on fait attention à la vie de Isaac, il a connu les mêmes défis et les mêmes challenges que son papa a connu. Son père était riche, fort riche, béni de Dieu. Il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait pas mal de choses. L'Éternel s'est révélé à Isaac et lui a dit, je suis le Dieu de ton père. L'Éternel lui a donné une instruction de ne pas quitter le pays qu'il le bénira. Mais ce qui pouvait être, disons, l'héritage de Isaac, c'est-à-dire les puits que son père avait creusés, les Philistins fermaient tous les puits qui pouvaient être l'héritage de Isaac. En plus, on a chassé Isaac de Guérar. Malgré cela, l'Éternel l'a quand même béni et il devenait encore plus riche. Est-ce qu'on est d'accord que Abraham avait fait une alliance avec Abimelech pour que les puits soient reconnus officiellement comme les puits d'Abraham? On parle de puits depuis, mais peut-être ça ne te parle pas. Les puits, ça représente la bénédiction que Dieu t'accorde, les bénédictions que Dieu te donne. Il y a certaines bénédictions que Dieu t'a accordées, mais que le malin, c'est-à-dire les serviteurs du roi les serviteurs de Abimelech, ils passent leur temps à fermer ce puits-là. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas faire disparaître ces puits-là parce que ça a été scellé par une alliance. Ils ne peuvent pas faire disparaître ces puits là qui représente ta bénédiction parce que quelqu'un est allé à la croix pour mourir pour ces bénédictions là. Mais ce que le malin peut essayer de faire, c'est fermer ces puits qui représentent ta bénédiction. Alléluia. Les puits peuvent représenter les bénédictions de nos pères spirituels. Parce que en tant que nos bergers, ils sont responsables de nos âmes et ils nous bénissent. Les bénédictions dans ta vie peuvent venir de tes parents, de leur fidélité, de leur loyauté envers Dieu. Les bénédictions que Dieu t'accorde, elles proviennent de l'alliance que Dieu a faite avec tes parents. Mais parfois, parce que nous ne sommes pas au courant que cette alliance, elle est présente, ou que ces bénédictions sont présentes, nous laissons les serviteurs d'Abimelech fermer nos puits, fermer les bénédictions. Or, c'est anormal, nous devons réclamer ces bénédictions-là. L'image des Philistins qui bouchent les puits, c'est l'image des puissances des ténèbres qui nous attaquent, qui nous malmènent et qui nous empêchent de jouir des bénédictions de Dieu.
நம்ம வந்து அந்த கிணறு கிணறு வந்து அடைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லும்போது தேவன் நம்மளுக்காக கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் வந்து தடையா வெச்சிருக்கிறதுக்கு தான் காட்டுது. Quand les serviteurs de Abimélec ont fermé certains puits, ils ont dit à Isaac que l'eau leur appartenait. அபிமெலேக்கோட வேலைக்காரங்க வந்து சில கிணறுகள் மூடும்போது அவங்க சொல்றாங்க அது உள்ள இருக்கிற தண்ணி வந்து அவங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு. C'est la même chose que le diable a essayé de faire avec Jésus. En lui disant dans le désert, regarde tous ces royaumes et la gloire qui est associée à ces royaumes, ça m'appartient. Mais Jésus lui a répondu que rien ne peut lui appartenir si ça ne lui a pas été donné dans le royaume des cieux. Parfois le malin il vient nous fait croire que les bénédictions que Dieu nous accorde, que ça provient de lui ou que Dieu ne nous l'a pas vraiment donné. C'est notre responsabilité comme Isaac de déboucher les puits de bénédictions que nous avons dans nos vies. Isaac était persécuté dans ce passage que nous avons lu. Il était persécuté, il était chassé, il pouvait s'en aller, il pouvait, parce que Dieu lui a dit de rester dans ce pays, il pouvait se dire que sa vie est menacée et s'en aller de là. Mais regardez le courage qui était qu'animait Isaac, parce que il a non seulement il n'a pas bougé, mais il a commencé par réouvrir tous les puits que les serviteurs d'Abimélec avaient fermés. Na ninga paakalam Isaac vandu eppadi nadandaarunu. Avaru vandu odi pogala avaroda satrugal inana kinar moodi vechaangalo adu thorandu vittaru. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Indha raatri vandu na orthangitta solla vandirukken. Qui avait des bénédictions que tu pensais que c'était fini dans ta vie? Il y avait des puits que tu regardais, tu pensais qu'ils étaient scellés à jamais dans ta vie. Dieu te demande de réouvrir ces puits-là. Isaac n'a pas pris peur. Il a fait confiance à la voix de l'Éternel qui lui a dit, je te bénirai à cause de ton père. La postérité que j'ai promise à ton père, elle sera manifestée en toi. Cette parole a nourri Isaac. Il est resté à Guéra. Il a réouvert tous les puits de bénédiction que son père avait creusé. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose de nouveau. Dieu ne te demande pas de t'enfuir. Il te demande juste de réouvrir ces puits de bénédiction qu'il a déjà placés dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons plus entrer en profondeur le dimanche, mais remarquez que Dieu utilise trois principes ou trois manières. Je ne dis pas que c'est les seuls trois principes, mais ce que j'ai à partager, ce que Dieu m'a permis de partager, c'est trois principes. La première, c'est la révélation. Dieu se révèle. À un moment dans ta marche avec Christ, Dieu s'est révélé à toi. Il est venu à toi. Il t'a dit qui il est. Le second aspect ou le second principe, c'est les promesses. Quand Dieu se révèle à nous, c'est accompagné de promesses. Je ferai de toi. Voilà ce que tu représentes pour moi. Et le troisième principe, c'est le processus. Nous avons la révélation, les promesses et le processus. Quand vous faites un peu attention à la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, Dieu s'est révélé à eux. Dieu leur a donné des promesses. Et il y a eu le parcours pendant lequel Dieu peut paraître absent ou Dieu n'intervient pas. Alléluia. Amen. Et c'est souvent dans le processus que mon frère et ma soeur, nous trébuchons beaucoup. Quand nous regardons la vie de Joseph, révélation, ses songes, promesses, le processus de Joseph. Quand nous regardons aussi la vie des disciples de Jésus, révélation, Jésus s'est révélé à eux. Venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Personne dans ce monde ne peut me suivre et n'avoir dans ce monde et dans le monde à venir tout ce qu'il aurait laissé pour moi. Mais après les promesses, il y a le processus. Comme je le disais, on va rentrer plus en détail le dimanche. Mais ce soir, je crois fermement que ce message de puits, c'est pour quelqu'un. Il y a des puits de bénédiction que Dieu avait déjà ouverts dans ta vie. Ces puits reposent sur une alliance que Dieu a conclue avec ton père spirituel ou avec tes parents biologiques. Dieu te demande de réouvrir ces puits-là. Je te demande de faire confiance en ta parole qui te dit de rester là, que c'est là qu'il te bénira. Toi qui te disais que ces choses n'étaient pas faites pour toi, ouvre ce puits là, c'est ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus, dans Hébreux 8, le verset 6, je lis la parole de Dieu pour ne pas paraphraser. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance avec Dieu. L'alliance que nous avons avec Jésus, elle ne souffre d'aucun mal. Mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière et récupère ces puits que les Philistins fermaient dans ta vie. C'est ton héritage. Ça repose sur l'alliance que Jésus a conclue pour toi en mourant à la croix. Ose croire que ces bénédictions, Dieu est capable encore de te les accorder. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute, comprends et regarde ce que je vais faire dans ta vie. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Nous nous levons pour prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Père éternel, qui nous encourage, qui nous édifie. Père éternel, tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Père éternel, si tu nous as appelé ce soir dans ta maison, c'est parce que nous devons écouter, c'est parce que nous devons te comprendre. Ta parole est la vérité, Père. Nous croyons, Père éternel, que ces puits de bénédiction que tu as prévus dans nos vies, ces puits qui disparaissaient déjà parce que, Père éternel, les Philistins, ils étaient en train de fermer ces puits. Nous nous levons comme un seul homme dans la prière et nous déclarons au nom puissant de Jésus que sur ta parole, Père éternel, nous allons réouvrir tous les puits que les Philistins, tous les puits que les attaques, Père éternel, du monde des ténèbres avaient fait pour fermer ces puits-là. Tu es mort à la croix, Jésus, parce que tu as récupéré la clé des séjours des morts afin que nos bénédictions, nous puissions les hériter. Merci pour ta parole, Père éternel, qui produit des fruits dans notre cœur. Père éternel, nous récupérons nos bénédictions au nom puissant de Jésus. Nous prenons l'engagement sur ta parole d'ouvrir ces puits-là, de croire en tes promesses et de croire en alliance, l'alliance excellente que Jésus-Christ a faite pour chacun d'entre nous à la croix. Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, te bénissons pour ta gloire, te bénissons pour tout ce que tu fais au travail de chacune des personnes qui ont écouté ce message. Permets-nous de rentrer dans ta révélation, Père éternel, le dimanche, et d'écouter, de comprendre et d'être observateur de ta grandeur dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Je pense que vous avez compris ce que notre frère a essayé de nous dire aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de notre culte.
continuer de l'utiliser abondamment. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus, nous te remettons entre tes mains, Seigneur, notre frère Aristide. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais à travers lui, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'utiliser encore puissamment, Seigneur. Que toi, Seigneur Jésus, que tes paroles de connaissance et de sagesse, Seigneur, puissent descendre sur lui, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse venir le remplir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour lui, Seigneur. Seigneur, je te remets, Seigneur, sa vie entre tes mains, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses pourvoir à ses besoins, Seigneur. Qu'il soit financier, Seigneur, ou dans sa vie, Seigneur, dans son travail, Seigneur. Dans sa vie spirituelle, Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses voir là partout où il y a des manquements, Seigneur. Là où partout il y a des trous, Seigneur, que tu puisses venir combler ces trous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu vas l'utiliser puissamment, Seigneur. Merci, Seigneur, car il est ton instrument, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu ne manqueras pas de le bénir, Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire encore, Seigneur. Et merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour sa santé, Seigneur. Nous te prions et nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Je vais inviter le pasteur Désiré pour clôturer ce moment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur le temps qui s'avance, s'il vous plaît? Amen. Lève-nous. Je crois que dans l'introduction du frère, elle a été claire. Et je prie que tu sois là dimanche pour écouter la suite. Parce que Dieu parle toujours. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être préparés pour pouvoir vivre les promesses qu'il nous a faites. Tu vas fermer tes yeux. Seigneur, nous te disons merci. Car ta grâce, notre Dieu, nous a toujours localisés et continue à nous localiser. Père, ce soir, nous étions là encore une fois de plus pour t'écouter. Nous sommes venus à ta rencontre parce que tu nous as lancé une invitation. Père, nous nous sommes déplacés non pas parce que nous manquons à faire, mais parce que nous avons compris que la bénédiction ne se trouve nulle part que chez toi. Nous sommes venus, notre Dieu, t'élever, t'élouer, t'adorer. Et nous t'avons fait connaître, notre Dieu, nos besoins, nos requêtes et tout ce que nous avions, Père éternel, à faire remonter vers toi. Merci pour cette parole qui vient de nous être enseignée, qui contribue, notre Dieu, à notre avancement, surtout qui fortifie notre foi. Je te bénis, Père éternel, pour cela. J'ai béni ton serviteur Aristide Zonon, que je recommande entre tes mains, Seigneur. Remplis-les encore, qu'ils puissent parler de ta part, afin d'édifier ton peuple, et que chacun de nous puissions être préparés pour les jours de l'avènement. Je prie, notre Dieu, pour tous ceux qui ont travaillé, Père éternel, d'une manière ou d'une autre, pour la réussite de ces cultes de ce soir. Et merci, Seigneur, car la Bible dit, Père éternel, qu'à chaque jour suffit sa peine. Beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui pour des raisons que toi tu connais. Il y en a qui sont en vacances et d'autres qui n'ont pas pu pour des raisons que toi tu maîtrises, Seigneur. Père, j'ai prié, notre Dieu, que ta main de grâce soit sur eux. J'ai prié pour les pasteurs Serge, Maman, Roselyne, ainsi que leurs enfants. J'ai prié pour moi, pour ma femme et mes enfants. J'ai prié pour tous les membres de cette église et pour nos familles respectives. Père, nous voulons partir, notre Dieu, accompagne-nous. Que tu puisses toi-même baliser le chemin par lequel nous allons marcher et rouler jusqu'à ce que nous puissions atteindre nos domiciles par ta grâce. L'ennemi n'aura pas d'occasion de nous faire tomber ni de faire quoi que ce soit parce que toi tu nous couvres et que tu nous protèges. Tout ce qu'il a planifié, nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Père, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, amen. Acclamons très fort le Seigneur.